Au nom du Père, ton Père, mon Père, au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit d'amour, un seul Dieu de bonté, de tendresse, vivant en moi, vivant en toi, je te reçois. Aujourd'hui, l'Évangile parle de Jean-Baptiste. Ouh! Jean-Baptiste. Ah, il témoigne, on a ça dans Jean. Il va dire ceci. Luc, évidemment, en parle, mais Jean, il dit, tu verras l'Esprit descendre. Dieu l'a envoyé baptiser dans l'eau, Jésus. Il m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui doit baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela, dit Jean. Et je déclare qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et toi, quand tu reçois le baptême, tu l'as reçu peut-être à ta naissance, et tu en as pris conscience peut-être petit à petit à travers les soirées de prière, à travers le groupe, surtout de mouvements charismatiques, en révélé. Nos parents et moi, quand j'étais jeune, on ne savait pas c'était qui le monsieur le Saint-Esprit, c'était quoi, ça faisait quoi le Saint-Esprit. Il y avait le Père, il y avait le Fils, mais le Saint-Esprit. Ben, le Saint-Esprit, quand il descend, ton cœur devient habité. Marie a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit Saint viendra, l'Esprit Saint, le Très-Haut descendra sur toi, c'est le Saint-Esprit. Et tu donneras vie à Jésus. C'est lundi, dans 8 jours. Et toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une présence vivante. Pas dans ton ventre. On est un homme, on n'a pas d'utérus, nous autres, là. On n'a pas d'ovaire, puis on ne fait pas d'ovule. Puis... Non, non. Les femmes, oui, mais... Mais il y a quelqu'un qui vient t'habiter. Et qui reste à demeure. Mon Père et moi, nous serons chez toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Monsieur Saint-Esprit, c'est la puissance du Père et du Fils qui te donne d'être habité. Tu n'es plus jamais seul. Et tu deviens, tu entends enfant de toi, au fond de toi, tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon enfant bien-aimé. Quand tu entends ça dans ta prière, je l'ai déjà entendu, juste en parler, les frissons montent. Tu es mon enfant, tu es véritablement mon enfant, Pierre Lacroix. Je t'ai désiré. Ouais. Il te baptisera avec le Saint-Esprit. Alors, il est le Fils de Dieu, mais tu es aussi le fils ou la fille de Dieu. L'enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que il y a à l'intérieur de toi un trésor d'infini, de grâce, de bonté, d'amour qui ne demande qu'à jaillir, qu'à t'habiter, qu'à te conduire, qu'à te parler. Le matin, quand je me réveille, j'ai fait mon signe de croix, sauce libanaise, Père, ton Père, mon Jésus, mon frère, on a le même Père, le Saint-Esprit. Un seul Dieu d'amour en moi, et là je me touche en moi, à l'intérieur de moi. Et puis là, je dis au Saint-Esprit, je lui parle. En parlant au Saint-Esprit, ben, tu parles au Père, puis tu parles au Fils. Je lui dis, parle-moi aujourd'hui, conduis-moi. Parle-moi. Guide-moi. Prends tout en main. Et même si des fois ça m'énerve, ben, aux surprises, c'est toujours le bon résultat. Oui. Des fois, j'ai dit, ah mon Dieu, j'ai oublié ça. Ou d'autres fois, je suis trop fatigué. Ah non, je ne fais pas ça. J'attends. Je procrastine, ça veut dire attendre. Mais non, je procrastine pas. Il m'arrive des idées, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Si vous pensez que on va fêter Noël, actuellement, Joseph et Marie, elle a le ventre, hein? Puis là, il a un dos down, puis il commence à avoir des contractions. Qu'est-ce que tu veux, là? Imaginez un petit peu, là. Bon, le 25 décembre a été choisi, je ne sais pas dans quel siècle, mais
ça correspond à une espèce de fête païenne, puis ils en ont fait une fête chrétienne. Bon, c'est peut-être pas au mois de décembre, mais nous autres, on célèbre, on fait mémoire de la naissance de Jésus, le 25 décembre. Bon! Mais essayez de vous tremper un petit peu dans la situation du pauvre Joseph qui voit assis sur l'âne la pauvre Marie, petite jeune fille de 15-16 ans, avec le gros ventre. Oh! Saint-Esprit l'aide, Marie. Puis Saint-Esprit, il est là, puis il guide Joseph, puis il frappe une porte à un moment donné, puis nim, nim, nim. Puis on va s'apercevoir que tout le monde dit non. Là, c'est le plan de Dieu qui travaille. Il y a des noms qui sont des grandes bénédictions. Tu demandes à quelqu'un quelque chose, puis il dit non. Ça te met hors de toi. T'es choqué, t'es en colère. Mais le Saint-Esprit, quand tu demandes au Saint-Esprit de t'animer, de gérer ta journée, d'être le maître de ta journée, de te parler, d'agir, ben, il y a des noms, puis il y a un hôtel, puis un autre. Puis c'est une femme enceinte, là, tu me dis. Non, ils sont donc bien, là, c'est tu tasses quelqu'un, puis quelqu'un... Mais non, ils se ramassent parce qu'il y a des vaches, des bœufs, des ânes, des ornaises, des moutons. Ça pue, c'est plein de bactéries, puis de virus, puis tout ce que tu voudras. Finalement, on va accoucher dans une... Puis il y a des femmes, probablement, de bergers qui vont venir l'aider, là. Ça, c'est certain que c'est pas Joseph. Il y a eu des femmes qui l'ont aidé à accoucher Jésus, mais... Elle le dépose dans une mangeoire. Mais tout ça, c'est le plan du Saint-Esprit, parce qu'il veut te dire à toi qu'il est prêt à venir dans n'importe quel genre de vie. La crèche, c'est chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, ça nous enseigne. Et l'Évangile de Jean le dit. Et l'Esprit-Saint, Jésus dit, l'Esprit-Saint vous enseignera toutes choses. L'Esprit-Saint vous parle, vous enseigne, mais à travers des petites choses de la vie. C'est pour ça qu'il faut dire merci. Il faut louanger à temps et à contre-temps. Amen, amen, amen. Là, je viens de vous dire, vous allez trouver ça dans Jean. Je ne vous ai pas donné le chiffre. Je suis rendu un petit peu... Moi, je n'ai pas la mémoire des chiffres. Il y en a qui apprennent les versets. Moi, j'ai cherché dans la spiritualité et non pas dans les versets bibliques. Là, si je veux un verset biblique, je suis honnête avec vous, je prends mon téléphone, puis je le cherche. Puis il me donne le numéro, puis je vous le mets dans le texte. Wow! Pour ceux qui veulent le chercher. Puis quelqu'un m'a écrit, vous avez donné un verset des épîtres de Jean, vous avez dit que c'était les épîtres de Pierre. Oui! À 75 ans, on peut faire ça. Puis j'ai prié pour toi, mon frère, qui m'a écrit, que c'était pas... Je sais que... Je les vérifie, les émissions, quand elles sont enregistrées. Je sais que c'est dans Jean qui est marqué que si tu haïs ton frère, tu connais pas Dieu. C'est pas ce que Pierre dit, c'est Jean qui dit ça. Dans sa première épître, chapitre 4. Verset 7-8, dans ce coin-là. 7-8-9. Ben oui. Merci, mon frère, j'ai prié pour toi. Merci de me le dire, mais je sais que c'est pas Pierre, c'est Jean. Je le sais. J'ai essayé de lire. J'ai passé 30 ans à bouquiner. Bon, plus que ça. Toujours regarder dans ma Bible. J'en ai des Bibles, c'est ça. Je change de Bible parce qu'ils sont trop... sont trop marqués, sont trop soulignés, sont trop... J'ai tellement travaillé dedans avec des crayons jaunes et tout ça. Voilà. Le Saint-Esprit, ben, il me guide sur des textes, puis il m'y fait approfondir, puis tout ça. Bon, ben merci, monsieur. Pardonnez-moi si ça vous insulte, surtout les frères protestants. Bon, c'est tout. Prenez votre téléphone, puis... Qui? Ben, voyez-vous, il se manifeste. Il n'est pas pour rien, il est fait pour ça. Il n'a pas fermé, je voulais qu'il ferme. Bon, ça, il prend un code. Si je le mets là, en tout cas, je pourrais... Celui qui haït son frère ne connaît pas Dieu. Haïr, ne pas pardonner, ne pas intercéder. Il y a des fautes dures à pardonner. Il vaut mieux le prier d'abord. On prie. Et si vous voulez avoir une suggestion de comment prier pour un enfant ou quelqu'un qui te tourmente, ça peut être ton ennemi. Ouais, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie sur un tel
qui n'est pas dans mes amis et qui me veut du mal. Touche-le! Et que la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, vienne. Là où il est. Maintenant. Et je t'avoue que je pense à quelqu'un là. Qui regarde peut-être. Oui. Tous les jours, je prie pour toi. Que veux-tu? Amen. Mais prions. À 8 jours, oui, une semaine de la journée qui nous rappelle l'amour du Père pour toi comme pour moi. Le Sauveur nous est donné. On ne vit plus selon la loi, on vit selon l'amour. On passe de la loi à l'amour, de la loi à l'amour, de la loi à l'amour, de la loi à l'amour. Les pécheurs, on les lapidait. Allez, dehors, dégagez, on vous tue. Ce matin, en groupe, et paf, il tirait des pieds, paf. Puis là, ben, il donne sa vie pour ses ennemis. C'est extraordinaire. On passe de la loi à l'amour. Et la plus grande loi, c'est d'aimer. D'aimer Dieu, mais d'aimer son prochain comme soi-même, à l'image de Jésus. Devenir amour. Alléluia. Si vous avez manqué l'émission que j'ai fait en direct vendredi, vous allez trouver sur dans la l'émission s'appelle Tabor, dans le mont Tabor. C'est la Fraternité Maranatha. Voilà l'émission du 15. C'est en replay, vous pouvez l'écouter, l'enseignement que j'ai donné sur le plus grand besoin de l'être humain, de la jeunesse. C'est de quoi votre enfant a besoin? C'est quoi? Est-ce que c'est de Dieu? Et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de... Voilà. Ça, c'est l'émission Maranatha. Vous voyez, de la Fraternité Maranatha. L'émission du 15 que j'ai fait en direct. Je vous le dis, il va y avoir du direct bientôt. C'est le temps de vous abonner. Abonnez. Puis, il y a une cloche juste en bas de l'écran. Vous avez un écran là sur YouTube. Il y a une cloche. Pesez sa cloche. C'est la cloche. Ça vous donne un avertissement que je suis en onde. Moi, je vais voir s'il y a 10 personnes qui écoutent en direct. Bah. Bon. Là, je suis en train de m'organiser pour que vous puissiez appeler sur WhatsApp pour vous demander. Je vais vous le dire là, l'émission avant. Pour vous dire, vous pouvez m'appeler. Donc, je pourrais prendre mon téléphone et le mettre pas loin de mon micro et être capable de. On va vous entendre. On ne vous verra pas, mais on va vous entendre. Je ne vous demanderai pas votre nom. Non. Mais on va vous entendre. Puis je vais vous dire merci, puis je vais répondre à vos questions. Voilà. C'est une série. Mon fils est en absence. Il est en vacances pendant 3 semaines. Puis vas-y en vacances. C'est ce que je lui ai dit hier soir. Il est venu manger avec moi. Vas-y en vacances. Papa va se débrouiller avec vous. Merci. Ah, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit viennent sur toi. Tu me réponds, mais tu nous dis qu'il est toujours là. Oui, il est là, mais il faut qu'il se réveille. Que le Saint-Esprit vienne réveiller la présence de Dieu en toi. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Que la renaissance, renaître à tes sources divines. Tu dois renaître d'eau et d'esprit. Que l'Esprit-Saint soit en toi. Et vienne réveiller ton cœur, ton âme, ton sanctuaire divin à l'intérieur de toi. Ô Père, par Jésus, touche. Touche. Sois une terre féconde pour une graine complètement morte, asséchée. Touche à distance ceux qui nous font souffrir. Merci. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se pencher. Elle ne peut pas toucher le plancher avec le bout de ses mains. Là. Je veux dire, le dos est barré. Au nom de Jésus de Nazareth, dans ses plaies glorieuses, que le Saint-Esprit, le sang de l'agneau, l'amour du Père, refasse ta colonne vertébrale. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, à la gloire du Père.
Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils. Les plaies de ton Fils. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je crois que toi, qui sens quelque chose, c'est le temps de te lever, là. Fais l'expérience. Bouge-toi un peu, là. Bouge-toi, fais ça, là. Puis chaque jour, fais de l'exercice. Tu vas retrouver ta mobilité. Amen. 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 Mon autorité dirait ça. Tu guéris quelqu'un qui a un problème à l'oreille droite. Merci, merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème avec sa mère. Mon Dieu, ça va pas. Toi, ton ennemi, c'est ta mère. Ça marche pas, puis il y a des histoires de sorcellerie, donc c'est soit antillaise ou africaine, ou réunionnaise, ou je sais pas quoi, enfin des places où est-ce qu'il y a beaucoup de maraboutage, puis tout ci, puis tout ça. Sois délié. Les chaînes, je trouve. Au nom de Jésus, allez, dégage. Dégage, sois libre. Comme le poussin sort de la coquille. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Dans la puissance, la puissance du Saint-Esprit. Wouh! Alléluia. Il y a un monsieur qui est pris avec la Mami Wata. Mami Wata, c'est une sirène. C'est une espèce de légende africaine, mais Mami Wata, c'est une sirène qui est dans l'eau, puis qui fait que tu as envie d'aller vers la mer, puis tu marches, puis tu te noies. Tu es comme hypnotisé. Tu es délié, mon frère. Tu es délié. Et je te demande, d'aller faire une bonne confession. Moi. Très honnête avec le premier prêtre que tu rencontres de ta paroisse, il doit en avoir une pas trop loin, puis même si c'est 50 km, fais-le. Oui. Et puis, prends le temps d'avoir une bonne communion. Oui. Tu n'es pas baptisé encore? Va voir le prêtre, demande-lui qu'il te bénisse et que tu sois parmi ceux qui vont être baptisés prochainement. Montre juste un peu d'intérêt. Et Mami Wata va dégager. Évidemment, ça ne dit rien pour les gens de Toulouse, puis de Paris, puis de Bruxelles. Mami Wata, ça ne vous dit rien. Et moi, j'ai passé 5 ans en Afrique, à temps plein, plus plusieurs voyages, et Mami Wata, ça parle à beaucoup de gens d'Afrique. Bon, je vous rappelle que je vais faire des directs. Faut vous abonner, tic, 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 en bas, c'est marqué juste en bas de l'écran. Abonnez, il y a une cloche. La cloche, ça vous dit, oh, Pierre Lacroix est là! Ça sera en soirée, probablement au Québec vers 15h, plus 6, 21h à Paris. Ou 20 heures en Côte d'Ivoire, à Dakar, au Burkina. L'Afrique de l'Ouest, c'est 5 heures. Plus tard qu'ici. Le soleil se couche à l'Ouest. Donc, c'est plus tard. Plus tard. Réunion, c'est 9 heures, je pense. 8 heures, plus tard. Quand je dis, je fais ça à 15 heures, vous, c'est 23 heures. Hein? C'est tard, qu'est-ce que vous voulez. Si vous habitez en Australie, ben, je sais pas. Là, c'est un peu trop. Mais, ici, ça va être autour de 15 heures. Mais, en vous abonnant, puis en mettant la cloche, un petit pouce en l'air tant qu'à y être, vous allez être averti. Vous pourrez l'écouter en replay, mais comme mon fils n'est pas là pendant 3 semaines, je vais vraiment essayer des directs. Vraiment, vraiment. Puis on va essayer via WhatsApp. Je vais avoir un numéro spécial. Vous allez demander d'être en contact avec moi. Vous pourrez m'appeler, puis je répondrai à un, puis on parlera. À un moment donné, je vais vous dire, allez-y, OK. Ça suffit, j'ai quelqu'un, arrêtez d'appeler. Bon, on va fonctionner comme ça. Ça pourrait durer 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, peut-être 2 heures. C'est bon. En direct, c'est en direct. Je suis heureux de te dire que Jésus t'aime. Il y a des belles journées qui s'en viennent. Ne désespère pas. Monsieur Saint-Esprit est là et donne-lui ta journée. Laisse-le parler. Et dis merci pour tout. Que ça aille bien, que ça aille mal. Merci, merci, merci.